Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la carrière joueur. On continue et aujourd'hui, on affronte le Borussia Dortmund pour un match de championnat. Ensuite, on aura également le match retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Donc, on avait gagné 1-0 au match aller. Au niveau du classement, ça reste très très serré. Donc, il faut absolument qu'on prenne 3 points. On a le Borussia Dortmund qui a du coup est 5e, donc ils ont un peu de mal. Leur dernier match, ils ont gagné 2-0, donc attention quand même. Donc on est parti, en espérant que ça se passe plutôt bien. Normalement, l'équipe du Borussia Dortmund a dû bien changer, je pense, parce qu'on est en 2021, donc ouais, l'équipe a dû pas mal changer. Au niveau des endurances des joueurs, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Par contre, on a Müller qui va jouer à droite. Müller à droite, c'est vraiment pas ouf. Je suis content qu'il joue, mais... C'est pas fou, on a encore quelques joueurs un petit peu fatigués. On a Tolisso qui sera au milieu de terrain avec Sanchez. Alors, voyons voir un petit peu la composition de Dortmund, histoire de voir un petit peu les joueurs, le dispositif. Dortmund qui est 5e, donc ils font pas forcément une si bonne saison que ça. Enfin, un bon championnat, va falloir quand même faire attention au niveau de l'attaque, hein, parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd quand même un peu en attaque. Il va falloir faire attention. C'est mon premier match en plus, il me semble, face à Dortmund. Allez, on est parti. Il faut absolument qu'on prenne les 3 points si on veut rester premier. On n'a qu'un point d'avance. Attention. Attention au centre. Attention à la remise. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 1-0. Et on les laisse un peu trop jouer depuis le coup d'envoi. On a mis un petit coup de pression dès le début et ensuite on leur a laissé le ballon. On l'a pas trop touché. On l'a payé. On l'a payé 25e minute. On perd 1-0 et on perd pour l'instant sans doute la première place. Parce qu'il y a peut-être moyen d'y aller tout seul au début. C'est jamais, on tente une frappe de loin. Avec un peu de chance, ça peut rentrer. Et le corner, c'est sur Sanchez. Ok, Tolisso, c'est pas mal ça. Je te la redonne. Yes! Allez! L'égalisation derrière. C'est bien, 29e minute, on réagit plutôt pas mal. Deux buts, paf. On la donne bien en profondeur. Et ensuite, Coutinho qui la met dedans. C'est parfait. Et encore une fois, on les laisse un peu trop jouer là. Faut pas qu'on les laisse jouer du tout. Si on peut les prendre sur un contre, c'est aussi pas mal. Voilà, comme ici. Allez! Ah, dommage! Ça va revenir, il y a moyen de leur mettre la pression. Allez, Müller. Oui, Müller. Allez. Et bon, en fin de compte, Müller sur le côté droit, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il avait fait 2 matchs la dernière fois sur le côté droit et c'était pas fou. Mais là, 1v1 face au gardien. On va dire que c'est un peu facile pour lui, le petit extérieur du pied. C'est parfait. Et encore une passe, et encore une passe. Je pense qu'on va avoir plus de réussite sur les contres. Oh là là, on va mieux y arriver sur les contres que sur une attaque placée. Là, c'est dommage, il y avait peut-être autre chose à faire. Mais ouais, en contre, on est beaucoup plus dangereux. C'est dommage là-dessus. Allez, une petite tête là sur corner, ça serait pas mal. Ça serait sur le gardien. Allez, début de seconde période. Ça avait mal commencé. On s'est plutôt bien rattrapé. Ok. Allez, on la rejoue sur Müller. Allez, le Müller, le petit centre. Ah, dommage. Attention, attention à ce centre. On n'a pas été trop inquiété. Ils n'ont pas tiré une seule fois pour l'instant en seconde période. Et sur les contres, il faudrait qu'on arrive à jouer plus vite. Voilà, ça c'est pas mal. Si j'arrive à donner à l'opposé. Ok, il me la redonne. Allez,
Oui, Müller qui est là pour la remettre au fond. Allez, le break, il est fait. Il restera 10 minutes. Il était là pour la remettre au fond. C'est parfait. 2 minutes de temps additionnel. Et bon, on a fait le taf. On a fait le taf. On a pris les 3 points qui étaient super importants. On garde la première place en espérant qu'on ait pris un peu plus d'avance. Alors, au niveau du championnat, on a pris du coup 3 points, mais on n'a toujours pas pris d'avance. Hein. Toujours 1 point d'avance, c'est chaud. Franchement, ça va être chaud cette fin de saison. Du coup, on est parti face à Chelsea, match retour. Donc attention également, on n'a qu'un but d'avance. Donc va falloir assurer. J'espère qu'au niveau de l'endurance, ça va le faire aussi. Voilà, alors, ouais, ça va, il y a juste Coutinho qui n'est pas forcément très très bien. Rodriguez, ça va. Ça va. Il y aura Rabiot par contre du coup, le titulaire au milieu de terrain. Et du côté de Chelsea, ça doit être la même équipe que au match aller. Il me semble qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est exactement ça. Avec N'Golo Kanté, Bakayoko au milieu de terrain. Il va falloir faire attention à Eden Hazard. On a Ramos, Sergio Ramos également qui est maintenant à Chelsea. Et toujours Thibaut Courtois dans les cages. Allez, on est parti en espérant qu'on va aller au bout de cette Ligue des Champions. Franchement, ça serait vraiment pas mal. En championnat, ça va être compliqué. Enfin, ça va être serré vraiment jusqu'au bout. Et j'aimerais vraiment gagner vraiment le championnat. Et si on peut gagner la Ligue des Champions, ça sera vraiment un bonus. Vraiment, je préfère gagner vraiment le championnat que la Ligue des Champions. Parce que le championnat allemand, ça fait quand même un petit moment que j'attends de le gagner. Alors là, j'ai essayé de chercher la faute, mais j'ai pas obtenu. Mais la Ligue des Champions, au point où on en est, on peut aller vraiment aller jusqu'au bout. Donc attention quand même là sur le côté. Morata qui a fait... Il est tout seul. Ah ouais, mais non, il est tout seul. Il est tout seul. Après, je peux m'en vouloir également. C'est moi qui perds ce ballon. Mais là déjà sur le côté, non, il n'a pas droit. Oh non, on n'a pas le droit là par contre. Là, il est tout seul. Il y a 2 joueurs sur Morata pour éviter qu'il centre. Il arrive à centrer. Ah, bon. Pour l'instant, on est en train de faire comme face au Borussia Dortmund. On leur laisse le ballon, on n'est pas assez agressif. Ah ouais, non, mais là, il y a encore un joueur qui est tout seul dans la surface. C'est pas possible. Bon, allez, on est parti, début de seconde période. Bon, je suis confiant quand même. Je pense qu'on va avoir la petite occasion comme on a d'habitude. Et on va la mettre. Mais en première période, on n'a pas tiré une seule fois au but. Donc ça, par contre, c'est un petit peu... Alors que Chelsea, eux, ils ont déjà tiré 2 fois. Et là, ils ont encore une occasion. On n'a pas tiré une seule fois devant les buts en première période. Ok. Un petit centre Rabiot pour la reprise, c'est contré. Et pour moi, ma reprise elle est totalement ratée là. Et là, si j'arrive à partir en profondeur, si je suis pas hors jeu, ah, je suis hors jeu. Je sais pas si je suis vraiment où c'est limite, mais là j'ai tenté le coup, mais ouais, j'étais totalement, mais alors carrément hors jeu en fait. À l'opposé. Allez, à l'opposé. Mais non. Faut frapper avant. C'est tendu. Du coup, maintenant, il y a 5 tirs de chaque côté. Autant en première période, on n'avait pas tiré. Autant en seconde période, on a tiré 5 fois. Allez, tranquille. Sanchez. Oh là là, dommage encore une fois. Allez, celui-là il est bon. À l'opposé. Oui. Allez. On marque pas, mais on fait les passes, on joue collectif et ça paye. Voilà. On allait l'avoir cette occasion. Et on a fait le bon choix. Allez, on est reparti. Essayez de garder le score.
ça pousse du côté de Chelsea, attention. Attention, faut pas lui laisser d'espace. Mais on lui laisse trop l'espace là, c'est pas possible, on n'a pas droit. Le but, on l'a vu arriver quoi. Là, à ce moment-là, bah, bim. Là, à ce moment-là, c'est trop tard. On est passé en attaque de folie. C'est un petit peu risqué, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, c'est dans le dos de Sanchez. Et voilà, c'est terminé. On va aller au tir au but. Allez, on est parti, on enchaîne avec le troisième match de championnat. Donc oui, en fait, compte, on va pas au pénalty, hein, puisque c'est eux qui ont... ils ont réussi à avoir le match nul, donc du coup c'est eux qui passent. Je me voyais aller en tir au but, etc. Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Donc nous sommes éliminés de la Ligue des Champions, donc je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Mais comme je vous ai dit, je préfère vraiment gagner le championnat allemand que gagner la Ligue des Champions. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que surtout le but auquel ils égalisent, quoi, on aurait pu vraiment mieux défendre. Donc bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'étais persuadé qu'on allait au tir au but, et ça après j'étais vraiment pas sûr de ce que j'étais en train de dire, et en fin de compte j'avais bien raison que s'ils avaient les matchs nuls, c'était eux qui passaient. Donc bah tant pis, donc il ne reste plus que le championnat et le match de coupe, la finale de coupe, donc on peut encore gagner deux trophées, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que gagner la Ligue des Champions, j'aurais bien aimé, surtout avec un club allemand, ça aurait été encore un kiff. Donc du coup on est parti. On a toujours un point d'avance. Donc faut absolument pas qu'on perde. Je crois qu'il va pas falloir qu'on perde un match jusqu'à la fin de saison. Donc ça va vraiment être le défi jusqu'à la fin de pas perdre un match, si on veut vraiment absolument avoir un petit peu d'avance et d'assurer d'être champion. Parce que pour l'instant c'est très serré. C'est très serré. Et voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Donc si on veut aller chercher le titre, il faut qu'on gagne pratiquement tous les matchs. Donc on verra bien ce que le deuxième va faire comme résultat, mais on n'a pas droit trop à l'erreur. Ok, ça c'est pas mal. Ça joue sur Oscar. Je prends la profondeur, tu me la redonnes. C'est bien fait ça. Voilà, ça c'est une belle action. Oh, il y a hors-jeu. Ouais, je me disais bien que c'était un peu trop facile là pour le coup. Mais c'est dommage, dans l'idée c'était pas mal là. C'est dommage, Müller. Enfin, c'est plutôt moi plutôt. Ah, dommage. L'action elle était tellement belle. C'est pas mal pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas mal. Oscar, je repasse derrière lui, tu me la redonnes. Et je frappe. Ça va peut-être plus attendre un peu. Mais encore une occasion. Ok, on se retourne. Le pied gauche. C'est à côté. Ça va. On fait des bonnes choses là. On enchaîne les petites actions. On est bien. Hop. Ah ouais, non. Allez. Ah, j'ai débloqué les poignées colorées. Ça, c'est pas mal. J'ai évité un tacle. Par contre, j'ai perdu le ballon. Dommage. Rabiot qui récupère. C'est bien, on leur met la pression, mais pour l'instant on n'est pas dangereux. Pour l'instant on n'est absolument pas dangereux. Ah, dommage. C'est dommage, on a eu un temps fort, pas mal de temps fort, et au final on n'a pas été si dangereux que ça. Et on va le payer je pense. On va le payer en seconde période. Il y a hors-jeu là quand même, hein. Non, il n'y a pas hors-jeu là. Attention, on va rentrer dans le temps additionnel. C'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre un but là. Allez, Müller. Oui. Allez, ça part de là, 1-0. Bien joué, Müller, là, qui me laisse le ballon là-dessus. Je sais pas si je lui ai volé en fait. Ouais, je lui ai volé un peu le ballon, hein. Et derrière on a fait tellement le bon choix. On a croisé la frappe. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, hein, pour aller chercher les buts là.
C'est dommage quand même. En première période, on a eu pas mal d'occasions. Là, vraiment, tous les buts sont importants. Là, c'est, on cherche pas à faire des gros scores. Faut vraiment qu'on prenne les 3 points. Là, c'est objectif, c'est aller chercher le titre. Il y a Oscar qui est parti en profondeur. Allez, Oscar! Dommage. Là, l'objectif, c'est de prendre 3 points sur chaque match. Oh là là, on a du mal. Par contre, on... Ok. Allez, ça c'est pas mal. Le petit ballon, le petit centre. Allez. Oui. Le 2-0. Le break. Ça y est. Et ça fait le petit doublé aussi. Le petit doublé. Le petit doublé qui fait plaisir. Du pied gauche en plus, il me semble. Non, du pied droit. Du pied droit, l'extérieur du pied droit. C'est ça. Extérieur du pied. Et ben voilà. Le petit doublé qui fait plaisir. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. Ça c'est pour toi, Müller. Müller encore. Oh dommage. On va rentrer dans le temps additionnel. 2 minutes. Il va prendre les 3 points. Attention de ne pas encaisser un but, ça serait bête. Ok, bien joué Neuer. Allez, c'est terminé, victoire 2-0. Quoique, il a joué. Non, c'est terminé. Victoire 2-0, on prend les 3 points. On s'est offert quand même un petit doublé. Et apparemment, on est champion. Pourquoi on célèbre comme ça? Je comprends pas la... Oui, on est champion. Apparemment, on est champion. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Mais apparemment, on a commencé à célébrer. Bon, on n'a pas eu le trophée. Alors, voyons voir un petit peu. Eh ouais, ils ont perdu 2-0. C'est Dortmund qui a fait 1-1. C'est Cologne. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui ont gagné 2-0. Et du coup, on a 68 points, c'est ça? 68 points et on a remporté. Et oui, c'est ça, on a le trophée là. On a remporté le championnat à 1 point. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment très serré. Mais du coup, c'était le dernier match du jeu. Attendez, mais attends, c'était le dernier match du championnat? Mais non, c'était pas. C'était l'avant-dernier, d'accord. Ok, c'est pour ça. Et ben voilà, et ben en fin de compte, ça se termine plutôt bien. C'est dommage pour la Ligue des Champions, mais on remporte enfin ce championnat, ça y est. Après FIFA 16, après FIFA 17, auquel on a galéré, auquel on n'a jamais fini une saison entière, on a enfin réussi à s'imposer dans ce championnat et on a remporté le trophée que avec Matt Parker, on n'a pas réussi à avoir. Et cette fois-ci, on a réussi à l'avoir avec Max Parker Junior. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Du coup, on se retrouvera pour la fin de saison. Dernier match de championnat face à Leverkusen, il me semble. On va souvent, sûrement soulever le trophée, je pense, parce qu'on ne l'a pas soulevé dans le match d'avant. Et on aura également la finale de coupe. Donc là également, un match important. On peut encore remporter un trophée. Ok. Bah, au final, ça se termine plutôt bien. Au niveau des objectifs, on est plutôt bien également. Alors, le meilleur buteur, eh ben non, c'est pas moi. C'est Coutinho qui est avec 15 buts. Et on est 5e. On est 5e avec 13 buts. Donc. Bon, il y a peut-être moyen encore, hein, mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, mais on est 5e meilleur buteur. Mais bon, on a remporté le championnat, franchement, c'est ce qui comptait. Donc ça fait vraiment plaisir. Par contre, on est peut-être le meilleur passeur. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas le meilleur passeur. Ah, c'est Oscar. C'est Oscar, mais franchement, on est pas mal, hein, dans les meilleures passes décisives. On est vraiment pas mal 2e, alors que c'est pas vraiment notre rôle. Oscar, c'est vrai qu'il a fait pas mal de passes également, donc ça c'est mérité. Donc voilà en tout cas pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouvera pour la fin de saison avec des matchs, le dernier match de championnat, également la finale de coupe. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait ce trophée là, ce magnifique trophée dans les mains. Et voilà, donc on se retrouve très très vite pour la finale de coupe. En attendant, moi je vous dis à très très vite. Et on se retrouvera donc du coup pour la Carrière Manager cette fois-ci. Je crois qu'on jouera le FC Bayern d'ailleurs en Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ciao tout le monde.